Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, c'est le moment. T'es ouf, là. Bon, Charles, il est venu exprès de Dubaï. Hein, parce que t'étais à Dubaï. J'étais à Dubaï et je suis venu au froid pour monter le moteur de Jordan. Voilà, donc bon, c'est un peu le Père Noël. Hein. La valise, elle était morte. La valise n'a pas aimé le voyage. Voilà, donc. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a décidé de mettre un espoir dans le touring. Au départ, je t'avais parlé de Gisèle. Ouais. Mais tu m'as vite convaincu que ce n'était pas la bonne idée. Bonne idée, après, c'est chacun. Turbo, pas turbo, c'est ça. Bon. Et puis surtout, par rapport au budget, c'était encore autre chose. Quoi. Ouais. Donc là, bon, là, il y a du budget quand même. Bon, voilà, on parlait de budget sur DGZ, mais là, je crois qu'on a tué le budget en fait. Ouais, en fait, on l'a déglingué le budget. On est parti, on s'était dit, on part sur un LS3. Ouais. Donc, c'est un LS3 de Corvette, un vrai Corvette, parce qu'il y a LS3 Camaro. Camaro, toi qui sont des L99 du coup. Ok. LS3 de Corvette. L92. LS3. LS3, ok. Donc, tu vois. Donc du coup, pourquoi ça a mis du temps? Parce que Charles m'a fortement conseillé de faire un réalisage fin. Ouais. Ouais, parce qu'on avait des petites traces d'usure sur les chemises. Dû au stockage. Pas du stockage, à l'utilisation, donc ça faisait des petites traces, ça avait un peu corrodé sur les chemises, j'avais les chemises assises. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait les choses bien, autant c'est des jolies bébêtes. Voilà. Donc là, clairement, avec le setup qu'on a fait là, comment te dire qu'on peut aller chercher les 1000 chevaux avec un compresseur? Ouais, 1000 chevaux, 1000 newtons. 1000 newtons. Ouais, 800 pour rester un truc safe, 800 chevaux. Ouais. Mais les 1000 newtons, ouais, ils seraient faciles. Ok. Donc bon, à l'avenir, quand on aura un petit peu de sous, on mettra un truc qui souffle et puis c'est tout. Sur un gros poumon, ouais. Voilà. Bon, déjà ça dans le temps, je pense que ça va bien. Genre, en moto, t'as de quoi plier le 30, je pense. Ouais, ouais. De ouf. Ouais, le châssis du 30, il va pas y aller. Je pense qu'il n'y a pas qui sait. Bon, bah, on verra bien plus tard. Hein. Pour l'instant, on s'occupe de ça. Donc aujourd'hui, on va s'atteler à remonter la bébête. Donc pistolet bien forgé, hard bracket compétition, soupape renforcée en. T'as le soupape inox, t'as l'hard bracket, c'est un stage 3 qu'on avait pris dans les mains, donc t'es à la limite pour passer en turbo, quoi. C'est vraiment le plus gros que tu puisses faire sur l'atmo. T'as les vis KAP, bien forgé en H. J'ai forgé bien sûr. Ouais. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Voilà, c'est juste histoire de. On a quoi? On a des. Là, t'as des. Là, c'est ressort titane qui sont doublés pour pouvoir aller chercher des régimes moteurs super haut en fait. Oh, putain, génial. Tu penses qu'on pourra choper combien de RPM? 7000. 7000. 7000 pour enlever 8, c'est déjà ouf, plus que suffisant. Ouais. Il y a l'embrayage tridisc Newton. L'embrayage pour l'adaptation de bonne BM. Et on a oublié le Kitsiki. Ah ouais? On a oublié le Kitsiki qui est de l'autre côté, collecteur. En fait, le Kitsiki, c'est une entreprise qui fait des kits justement, adaptation, donc par exemple LS dans E30. Voilà, c'est du bolt-on, c'est-à-dire qu'on met leur support moteur, on met leur cartable d'huile, voilà. On met leur cartable, leur échappement, on jette ça dans le châssis. Et ça, on n'a pas de modif, il n'y a rien de différent. Bon, ça vaut, on parle à ça dans une autre vidéo, le budget. Je ne veux pas en parler tout de suite, mais bon, ça vaut des sous, mais bon, c'est plug and play et surtout ça va être un moteur de ouf, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Et bah écoutez, on va s'y mettre. Allez, c'est un point de bon, tu fais parti. C'est parti. Il faut... Merci à Fred Adam de nous avoir prêté l'outil pour sortir les coussinets d'Arbacan. C'était la seule pièce d'usure qui était un peu. Qui était vraiment à changer. Sinon, c'était apparemment même l'usineur. L'usineur, il m'a dit, elle a très peu de kilomètres. Le moteur, il a très très peu de kilomètres. Ouais, non, sans ça, les chemises étaient propres. Ouais. Mais il y avait quand même une petite trace d'usure sur, à mon avis, dans un manque d'huile ou. Sur qui a eu un manque de pression d'huile qu'il y a eu sur les coussinets d'Arbacan. Et ils étaient à changer. Donc, ce problème, c'est que c'est un peu. Ouais, c'est un peu. C'est le seul truc plus ou moins galère. C'est une opération un peu chiante. À faire sur ce moteur-là. Parce que comme il n'y a qu'un seul gros Arbacan qui passe à travers,
C'est vraiment le seul truc, vous allez voir, c'est d'une simplicité, hein, quand on l'a démonté, franchement, moi j'étais choqué, parce que, composition. Voilà quoi ressemble un arbre à cam MLS, donc c'est un arbre à cam central. On peut comparer avec le fait qu'il est au milieu du moteur. Il est où, okay. Il rentre pas dans le... Là pour le moment on va sortir les coussinets. Donc merci Fred Adam de nous avoir prêté cet outil qui nous aura bien servi. Sans ça on était juste mort. Donc le but, je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'ici il y avait des coussinets qui viennent de retirer d'ailleurs. On a retiré un déjà. Le premier vient de partir. Et en fait le problème c'est d'aller chercher au fin fond du truc quoi. Voilà. Donc, voilà. Un coussinet. Donc, un coussinet. Mort. Ouais, là, il était complètement à l'ouest. En fait, il y a plusieurs épaisseurs de matériaux différents. T'as du cuivre, de l'alu, je sais plus après lequel. Mm-hmm. Et là, on avait déjà bouffé la partie alu. Ouais, ok. Donc, on attend, c'est pour ça que c'est doré, là. On attend sur le, on attend le cuivre. Donc, ça, c'est ouais, donc ça. Donc, ça, ça vient. Ici. Ça, c'est l'outil qui permet de retirer. Ça vient dedans. Voilà. Et les nouveaux. Et les nouveaux, du coup, tout fraîchement arrivé de Dubaï. Voilà, magnifique. Les nouveaux tout neufs. Tout neuf, tout beau, tout propre. Ils ont chacun leur place. Ok, différent. Ok. Et bon, on va les changer. On les sent tout neuf. Je pensais pas qu'on allait faire une prépa aussi poussée. Hein. Mais ça, c'est de ta faute, ça. Vous voyez, ce monsieur, c'est un engraineur de première. Voire un manipulateur. Oui, parce qu'au départ, on voulait juste mettre deux joints de culasse et le et l'arbre à cam. Et il m'a dit, mais ça serait bien quand même de mettre ci. Il faut absolument mettre ça parce que gna gna gna. Et au final, tu te retrouves avec ça. Non, c'est vrai que on avait vraiment, vraiment hésité à forger. Et en fin de compte, je suis pas mécontent parce que du coup... Quand, si un jour on met un compresseur ou un turbo, on n'aura même pas besoin de réouvrir le bloc, quoi. Alors, il faudra rester en basse pression, parce qu'on a des, on a des pistons qui sont faits pour de l'atmo. Ok. Mais si tu mets un petit compresseur, ne serait-ce qu'il souffle 600 grammes. Ouais, c'est déjà... Pour un coup, gagner 150 chevaux... facile, quoi. Ok. Le problème, quand tu surales, on a les mêmes problèmes sur les moteurs. Quand tu surales un moteur atmo, ouais. On a le même problème, que ce soit un compresseur ou que ce soit un turbo au final, parce que c'est pareil. Le principe reste le même au niveau de la chambre de combustion. Il faut normalement décomprimer bloc. Donc ouais. Il faut mettre des pistons qui sont creusés. Adaptés, ouais. Et c'est là où on va avoir une différence, c'est que là ici on a un piston qui est plat. Mm-hmm. Donc là on reste sur le rapport volumétrique du bloc. Du Atmo, ok. Atmo. Donc si le problème est situé. Surale, en restant avec des pistons comme ça, si tu surales trop, tu risques d'atteindre et de prendre du cliquetis, ouais. Et percer. Ok, ok. Alors déjà, si on sort un moteur de 600-700 chevaux, déjà... Déjà, moi, les 600, je pense 550-600 chevaux à tout tranquille. Ah là, tu penses ouais. Ah ouais. Moi, je pensais, si on avait 520 chevaux, genre, j'étais archi content, genre. Les 530 chevaux sur la bricoleuse avec un moteur de régime. D'accord. Les 99 qui est moins performant qu'un LS. D'accord. Ok. Bon. Avec injecteur d'origine. Juste une gestion ligne. Ouais, par contre, t'as la gestion ligne. Pas de gestion ligne. Ouais. Quelque chose en plus. On peut pousser sur la tombe. Enfin, ouais. Mais ça suffit pour sortir 530 chevaux et moteur. Enfin, heureusement qu'on avait cet outil quand même. Oh, ouais. Clairement. Quand tu m'as dit, ouais, je vais gérer. Je me suis dit, encore un truc de Charles. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Donc les pistons, les bielles, l'admission qui normalement, on verra quand ça sera monté. Mais il y a des chances que ça sorte du capot. L'embrayage Tilton tridisque. Donc ça, je vous montrerai au moment de le monter. Du coup, je garde ma boîte de vitesse, du coup. 330D. Là, on a des vis ARP de culasse. Les soupapes d'admission, les soupapes d'échappement en inox.
De toute façon, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Les ressorts de soupape en titane. Enfin bref, c'est la caserne d'Ali Baba, là. La caverne. Ouais, la caverne, ouais. Pourquoi j'ai dit quoi? Caserne? Bah, c'est caserne des pompiers, mais d'Ali Baba, voilà. Bon, là, c'est un peu compliqué à vous montrer parce que c'est... C'est dans les abysses. C'est chaud de night, mais... Bon, ils étaient bien, bien à l'ouest, hein. Petit fesse. Je regarde les. Comme j'ai mes yeux qui sont. Qui sont partis, ils sont encore en train de dormir. Ah oui, d'accord, ok, je viens de comprendre. On a fait une loupe. D'accord, tu utilises le téléphone en tant que loupe, d'accord. Voilà. En fait, tu vois là, c'est marqué ici, position 2 ou 4. D'accord. Donc, en fait, quand il y en a 5, t'as 1, 2, 3, 5. Ouais. Et. Donc là, ils ont un diamètre extérieur. Donc, le diamètre intérieur, c'est tous le même, mais le diamètre extérieur, d'accord, est différent. Donc, tu as position 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, okay, il faut trouver. Donc là, c'est marqué 2, 4. Okay. Donc, 2 ou 4. Ok. Donc. Tu serais pas le mec qui connaît bien l'ULS, toi, hein. J'en ai fait quelques-uns. Tu sais, sinon, tu me dis, hein, je te le dis. Hein. Ça, c'est 2 et 4. 2 et 4. Ça, 2 et 4. 2 et 4. Ça, c'est 2 et 4. Ça, c'est position 1, 3. Non, 3. 3, donc ça, c'est celui du milieu. 3 et 1. 1, 5. 1, 5. Okay. Celui-là. Et celui-là. Bon, du coup, ça, il a mis l'arbre à cam à blanc, histoire de voir si tout va bien. Il est en train de mettre les coussinets de vilebrequin. Tout neuf, renforcé. Quand même pas déconnant du tout, quoi. Il est un peu petit. Hein? Il est là-bas. Voilà, voilà. Pas déconnant. C'est une fatitude. Et après, là, il va mettre la chaînette. Pour voir si ça tourne bien. J'ai vu ce que t'as vu que t'avais fait. Bon, il est en super bon état. Hein. Bon, du coup, Charles, on a mis l'arbre à cam, le vilebrequin, les coussinets de vilebrequin, et là, tu es en train de caler la distrib. Ouais, on fait un peu les choses à l'envers. Ouais. Parce que là, on aurait dû mettre. Là, je regarde juste si ça correspond bien et si l'arbre à cam tourne bien. Voilà. Après, sur les Américains, c'est très simple. Ici, il y a un repère, ici, il y a un repère. Tu mets, voilà. Tu mets le point devant le point. Voilà, et il n'y a pas de truc bizarre. Tu peux aller voir un café. Voilà. Il n'y a pas de poulie, de je sais pas quoi, c'est tout simple. Mille choses, d'accord. Donc, redis-moi ce que tu viens de dire. Me poser la question pour les vis. De palier de vilebrequin. De palier de vilo. Et pourquoi on met pas de la RP ou quoi sur les bas moteurs, on s'en fout un peu parce que comme t'as 6 vis par palier, ouais. Tu changes pas. Si tu penses pas à plus de 1000 chevaux, tu changes pas tes vis. Mais ouais. L'origine, c'est très bien. Oui, oui, bon. On verra pour les 1000 chevaux. Hein. Ah là, il a sorti la Bible. Hein. Là, il a sorti. The Bible. Ouais, de technique de sécurité. Putain de merde. Ouais, t'as le truc qui a fait ça au départ. Après, ça se termine en commandement de terminus. Ouais, c'est ça. Là, on ne sert pas au couplin, je vous assure. On ne fait qu'approcher parce que. On voit déjà les Jean-Michel, commentaire. peut-être avec Patrick, commentaire. Qui est... Oh, si je voulais, hein. Oh, putain. 92. Quoi? Au plateau. Tu m'as 92 M3. C'est ce que tu m'as demandé. Ouais, c'est après ce que j'aimerais bien. Vu que ça avait empoisonné. Oui. Bah, je t'ai ramené un E92 sur le plateau. Con celui-là. Mais qui, il est con? Il est bien, mon E92. Bien. Ça, c'est beau gosse, hein. Ah ouais, ça, j'aimerais bien. Voilà. Merci, Titi.
Bon les gars, je change de voiture pour la compète. On va faire... Elle va être là en vrai. Grave, Léon, on va faire un toc-toc. Tokyo, on va faire un toc-toc. Juste parce que c'est... Oui mais regarde, comme ça, ça fait aussi. Ouais, vas-y, dévisse. Oui, on a peut-être filmé un peu tard, mais il a tout serré à l'angulaire et à la dynamométrique. Attends, si je fais comme ça, ça fait un peu les Champs-Élysées. Du coup, avec un magnifique outil voilà. Qui tourne en même temps qu'il t'a recalculé. T'es chez PFR, il y a déjà une progression. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas les outils. Maintenant, on a les outils, mais ils ne fonctionnent pas forcément. Donc, il y a quand même une progression. Normalement, dans 3 ans, tout fonctionnera correctement. Voilà. On ne sera peut-être plus là. Moi aussi. Tu. Dans 3 ans, on sera encore là. On ne déménage pas tout de suite de merde. Ah non. Bah, on est minimum, on doit rester au moins 3 ans ici. Notre contrat, c'est minimum 3 ans. T'as 100 000 euros, tu fais quoi, toi? Là, tout de suite. J'achète un besoin. Tu fais quoi? 100 000? Ouais. Je me casse de France. Tu vas à Dubaï? Première chose, je vais pas investir ailleurs. Avec 100 000 à Dubaï, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais rien avec 100 000 à Dubaï. Dubaï avec 100 000, non. Tu fais rien, mais t'investis, t'as déjà un petit appart tranquille. Ah oui. Tu prends un studio, t'en rachètes un autre à côté, tu loues, tu loues. Et t'as ta résidence, c'est vrai? Et toi, tu fais quoi avec 100 000? Le 34, il part en complète. Et le 46, il finit en carbone. Avec 100 000, je prends 30 000 euros pour monter un R32 turbo. Il y a de la Volkswagen à Dubaï? Ouais, mais c'est pas les bonnes normes pour les enfants. Ah. Tu chopes une R8 2020, ça sort en norme Euro 2. T'arrives en France, je peux pas l'homologuer, c'est cool. Non, c'est pour pas acheter des. VAG, tout ça, faut pas acheter. C'est bien, tu rôdes. Je rôde les coussinets. Bon. Regarde, il y a un piston de. On joue un petit angulaire. Il a calé la distrib. Donc, y a rien, c'est simple. Hein. Là, vous avez un repère ici. Et un repère dans le coin, là, on le voit pas, mais en gros. Vas-y, si tu peux tourner, leur montrer. Voilà. Tac. En gros, il y a un repère ici et un repère là. Ça doit être en face, c'est le cas. Votre distrib, elle est calée. Biel forgé, piston forgé. On les a achetés chez ça, un forgeron. Le petit talon. Alors là, on a fait le jeu à la coupe des segments. Mm-hmm. Donc en fait, quand sur les pistons, il y a 3 segments, il y a le coupe-feu, le compression et le racleur. Quand on reçoit les segments, ils sont pas à la cote, puisque les segments, ceux-là, ils sont génériques, et on doit les mettre à la cote, donc prends le petit outil. Nous, on le fait à la lime. Alors, il y a des outils spéciaux qui sont une espèce de manivelle ou qui coupe le jeu. Attends, je vais sortir le segment. Voilà, ça c'est le. Ça c'est celui de. C'est le compression celui-là. Donc en fait, on vient faire le jeu. Quand on met le segment dans le cylindre, donc quand il passe avec son piston et qu'il rentre dans son cylindre, le segment il se resserre en fait. Et donc là, il y a un jeu à respecter entre les deux une fois qu'il est serré. Ouais, okay. Là, quand on les installe, quand on les sort du carton et qu'on les installe, ils viennent l'un sur l'autre comme ça. Donc ça, c'est d'accord. Absolument pas bon. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit les limer pour avoir le jeu qui correspond 0,5, tu m'as dit. À ma petite cale qui est de 0, qu'on a calculé, qui doit être de 0,5. D'accord. Donc là, tout le banc numéro 2, il est fait. On n'a pas le choix, surtout. Ouais, pas le choix. Et là, on est en train de faire le mariage des bielles, des pistons. Et des pistons. C'est beau. Incroyable. Incroyable.
Alors, on a un hamburger, un cheese. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, c'est déjà pas mal. La prochaine fois, on va embieler tout ce qui est piston, bielle, tout ça. Et on mettra les culasses. Il me manque la pompe à huile, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas acheté la pompe à huile neuve. Donc, je préfère repartir sur vraiment du neuf, comme ça, on est tranquille, quoi. Voilà, messieurs, dames, on se rejoint bientôt. On se rejoint bientôt, t'as compris ce que j'ai dit. Putain, je suis musclé sur ta vidéo. Ouais, hein. de ouf. Non mais voilà, on se retrouve dans les prochains épisodes.